J'arrive maintenant chez Canemod, l'école, dans la région de Drummondville. Bonjour, aujourd'hui nous sommes en compagnie de Isabelle Lavergne, propriétaire de l'école Canemod. Bonjour Isabelle. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer comment a débuté ta passion pour le toilettage? Je te dirais que depuis ma tendre enfance, j'ai toujours aimé les chiens. J'ai toujours aimé les animaux. Court. Et puis, j'étais à la recherche d'un métier où je pouvais me rapprocher d'eux. Donc, en 92, j'ai fait le choix de devenir toiletteuse professionnelle parce que ma gardienne faisait ce métier-là. J'avais trouvé ça génial, être coiffeuse pour chien. Et puis, depuis cette journée-là, en 92, j'ai complètement... Je suis complètement tombée en amour avec le métier. Donc, je fais ce métier depuis 1992 et j'adore. Est-ce que tu peux nous expliquer en général le fonctionnement de tes cours? Bien, moi, je trouvais en 98, quand j'ai ouvert mon premier commerce, je trouvais qu'on avait de la difficulté à avoir des toiletteurs professionnels. Donc, j'ai décidé à ce moment-là de donner mes propres cours. Et puis, à ce moment-là, ben, j'ai commencé à monter un programme. Au départ, je donnais le cours à une étudiante à la fois. Et puis, par la suite, en 2002, j'ai commencé à donner les cours là, à trois étudiantes à la fois maximum. Donc, j'ai quatre sessions par année à raison de 250 heures, ce qui fait environ 9 semaines. 4 jours semaine, et puis j'ai un maximum de 3 élèves à la fois qui ont chacun leur bureau, chacun leur chien, et chaque fille ou garçon, mais les garçons sont plus rares dans le métier, là. Chaque fille fait son propre chien, puis on prend la journée pour faire le chien. Donc, ils partent le matin, vont prendre une marche avec le chien à l'extérieur, ensuite de ça, ben, il y a une période de massage, où là, ils vont apprendre à communiquer avec leur chien, apprendre à détecter aussi s'il y a des douleurs quelconques. Puis, par la suite, ben, on va établir au fur et à mesure du cours les techniques de toilettage, là, puis le langage, le comportement canin. Et puis, on voit aussi l'entretien des outils, quelques maladies rencontrées en salon de toilettage. Dans le fond, tout ce qui se retrouve là, dans le métier de toiletteur. OK. Est-ce que tu offres d'autres formations ou c'est la formation de toiletteur professionnel? J'offre aussi la formation de l'aide toiletteur ou baigneur. Cette formation-là est offerte seulement que pour les gens qui désirent aller aider quelqu'un dans un salon de toilettage. Donc, on doit avoir un emploi promis pour avoir cette formation-là. J'offre les formations aussi pour les particuliers qui veulent entretenir leur chien entre les toilettages. Et une nouveauté pour cette année, il y aura des camps de jour pour les adolescents dans la semaine du lundi au vendredi pour les 12-17 ans pour l'apprentissage là, de l'entretien des animaux. Je pense que c'est un bon côté aussi thérapeutique là, pour les jeunes. Ben oui, c'est vraiment intéressant comme concept. On pourra revenir faire un petit tour à ce moment-là. Ben certainement. Mais je te remercie beaucoup Isabelle d'avoir pris le temps de nous expliquer ton métier. Ben ça me fait plaisir. Bonne fin de journée. À toi aussi.